Depuis quelque temps, les experts internationaux de l'économie en tirent le signal d'alerte sur un phénomène inquiétant, j'ai nommé le chômage. En effet, on constate que de plus en plus de chômeurs sans emploi n'ont malheureusement pas de travail. Pourtant, une solution s'offre à eux, le polyvalisme. Désormais, il faut en effet savoir rapidement changer son bras d'épaule en fonction des besoins du marché. Exemple, vous avez toujours rêvé d'être dentiste. Qu'à cela ne tienne, point n'est vraiment besoin de faire de longues études de dentisme. En effet, avec un peu de bon sens et de débrouillardise, vous viendrez rapidement à bout de vos premiers patients. Démonstration. Sergent Verbeek. Commandant. Bon, vous avez bien une petite carie, vous, hein? Allez, on va voir ça. Asseyez-vous. Bon. Ouais, bon, pas besoin de gants, il fait pas froid. Ouvrez la bouche. Vous avez une haleine de racamelot rouge, hein, vous? Mais bon, ça va, sergent, on n'est pas à la chorale ici, hein? Oula! Elle est bien entamée, là, votre incisaire, là, hein? Là. Alors, ça. Non. Ça. Non. Ça. Non. Ça. Ah! C'est ici que les Roumains s'empoignèrent. Bon, ça va peut-être un petit peu piquer, hein? Voilà. On y voit déjà un peu plus clair, hein? En résumé, pour lutter efficacement contre le chômage, apprenez un nouveau métier, et qui plus est, en vous amusant. Hein, sergent? Allez, ça va aller. Bonne route. Suivant, sergent Kakezak. Ça va, je commence à avoir la main. Hein? Allez, ça va aller.